Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 4 octobre, l'Église Notre Mère nous invite à faire mémoire de Saint François d'Assise. Mes frères, mes sœurs, nous parlons à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : As-tu une seule fois dans ta vie donné des ordres au matin, assigné son poste à l'aurore pour qu'elle saisisse la terre aux quatre coins et en secoue les méchants ? La terre alors prend forme comme argile sous le seau et se déploie tel un vêtement. Au méchant est enlevée la lumière et le bras qui se levait est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? As-tu circulé au fond de l'abîme? Les portes de la mort se sont-elles
montrer à toi? Les as-tu vus, les portes de l'ombre de mort? As-tu réfléchi à l'immensité de la terre? Raconte si tu sais tout cela. Quel chemin mène à la demeure de la lumière et l'obscurité, quel est son lieu? Pour que tu conduises chacune à son domaine et discernes les sentiers de sa maison. Si tu le sais, alors tu étais né et le nombre de tes jours est bien grand. Job s'adressa au Seigneur et dit, « Moi qui suis si peu de choses, que pourrais-je te répliquer ?» Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, deux fois, je n'ajouterai plus rien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble dans le psaume 138. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Où donc aller loin de ton souffle, où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Mettez-vous debout pour l'acclamation à l'Évangile. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Toute puissance s'attache. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 10, du verset 13 au verset 16. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureuse es-tu, Chorazin, malheureuse es-tu, Bethsaïde. » Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm,
Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Télé Alta Grâce, chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Comment nous y est? Avec Jésus, Nabkembe. Aujourd'hui, 4 octobre, l'Église nous invite à faire mémoire de Saint François d'Assise, un passionné de l'écologie, un passionné de la nature. Saint François d'Assise a servi le Christ dans la pauvreté, dans la joie. Il se mettait totalement au service du Seigneur et au service de ses frères et sœurs. À travers son hymne à la création, il a chanté les merveilles de Dieu pour la création. Mes frères, mes sœurs, à travers l'évangile du jour, Jésus vient de reprocher certaines villes. Il vient de reprocher les habitants de certaines villes, les habitants de Koazin. Une ville que Mounio, il était toujours tendé l'évangile, il était toujours tendé parole bon Dieu, il était toujours miracle cap réalisé, mais que yo t'es toujours été endurci. Malgré tout ça, Jésus fait, mais il n'y a pas de converti. Il dit, c'est même reproche ça, Jésus est capable de faire pour nous-mêmes, peuple haïtien. C'est même reproche ça, Jésus est capable de faire pour nous-mêmes, qui vivons dans la ville Port-au-Prince. Une ville côté l'église poussée dans le coup de Dion, mais une ville côté, mon cher Bagayo, vraiment pas bien marché. Mais nous avons gardé la réalité nous comme peuple, nous avons gardé la réalité nous comme monde qui vit dans la capitale Port-au-Prince. Eh bien, nous avons posé nos questions. Est-ce que Jésus n'est pas capable de dire même bagaille là pour nous? Malheureuse es-tu la ville de Port-au-Prince? Une ville qui remplit avec un évangéliste, une ville qui remplit avec chrétiens, une ville qui remplit avec l'église. Partout où passer, où est l'église? Où est l'église? Eh bien, son ville côté pour nous tape vivre bien, son ville côté pour nous tape faire volonté bon Dieu, son ville côté qui tape pour gagner la paix, la sécurité, la tranquillité, son ville côté pour nous tape vivre dans dignité. Eh bien, c'est le contraire. Parce que le plus souvent, que non, et pas changé. Le plus souvent, nous pas convertis. Nous entendons des paroles là, oui. Nous entendons des paroles là. Mais, au paradis, c'est Cana. Ouais, il fait une voie de l'eau sous le Cana. Le regardé, ouais, plume Cana, il n'est pas mouillé, il était sèche. Mes frères, mes sœurs, dans toute situation de détresse, dans toute situation de querelle, situation de dispute, nous avons supposé faire même prier ça avec Saint François d'Assise. Nous avons supposé faire dire même parole ça yo que Saint François d'Assise lui-même l'était dit, l'était dans mauvaise situation. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi.
là où il y a le désespoir, que je mette en l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette en la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on est oublié, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose-nous à célébrer dignement le mystère de la croix auquel Saint François s'attacha avec tant d'ardeur. Pour le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce en toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour le Christ notre Seigneur, tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, nous exulsons de joie en chantant.
qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre sauveur et notre Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy Messidor, ses auxiliaires, Monseigneur Wisming Jean-Charles, Monseigneur Sanders Louis-Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts qu'on a recommandés à nos prières, ceux pour qui nous offrons cette messe. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, ta grâce, ta bénédiction sur les bienfaiteurs, les bienfaitrices, sur nos collaborateurs et nos collaboratrices, sur les personnes qui ont recommandé cette messe, sur le groupe Les gens de Marie, à l'occasion de son anniversaire de fondation. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur tes enfants qui célèbrent leur anniversaire. Catherine, Barbara, Jean, Franz, Pierre-Louis, Gilbert, Franklin, Guy, Alain, Densky, Casamajor, Hans-Frédéric, Gervais, Iberson, Fefe, Huguette, Dampère, Jonathan,
ta stase perpétue, Johanna Stase perpétue Henri, Josette Toussaint, Kenison Fefe, Le Gros Ginette, Marie-Ange Moïse, Max Gaston, Michel Malia Torsinville, Madame Bianca Desimil Jean-Baptiste, Perpétuelle et Immaculée Grâce Toussaint, Philippe W. Félix Ricardo, Le Valgueur Augustin Roberta Elissa, Chilov Nelson Violette Pierre, Wadnaïel Lui, Jenny Flore Aura, Jean-Baptiste François Pierre Alcindor, Isa Pierre Bianca Jean-Baptiste. Nous implorons ta bénédiction sur les autres personnes qui célèbrent leur anniversaire. Nous implorons ta bonté, ta bénédiction sur les malades. Nous implorons ta bonté, ta bénédiction sur les personnes séquestrées. Et nous te prions pour cette famille dont 5 de ses membres sont séquestrés. Nous te prions pour leur libération. Nous te prions pour la libération de toutes les personnes séquestrées. Nous te prions pour la conversion des pécheurs, pour notre conversion. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur la famille Anis. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur notre pays, sur le peuple haïtien, sur les téléspectateurs, téléspectatrices et sur chacun de nous ici présents. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père le Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et selon la volonté du Sauveur, ouvrons nos cœurs et nos mains pour prier en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre cher Haïti bouleversé. Donne la paix à tous les Haïtiens. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne veux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je ne sois jamais séparé de toi. Amen. Thank you.
Et son ardeur apostolique pour que nous goûtions les fruits de ton amour et avant de vous donner la bénédiction finale, nous voulons prendre un instant pour remercier, féliciter et souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux et toutes celles qui célèbrent un événement heureux dans leur vie aujourd'hui. Les anniversaires au révérend Père Anis Yves, notre grand frère dans le sacerdoce. Merci pour ce que vous êtes pour nous. Pour ce que vous êtes pour l'Église, pour ce que vous êtes pour le Seigneur. Bon anniversaire à Nadège Chérélus, Nadège Chérélus, à Luigi Lezo, à Wilkins Désir. Joyeux anniversaire à Catherine Barbara Jean, à France Pierre-Louis, Gilbert Franklin, Guy Alain, Denski, Casamajor, joyeux anniversaire à Hans Frédéric Gervais, Huberson Fefe, Huguette Dampère, membre du groupe Les Amis de Notre-Dame d'Altagrâce. Sœur Yvette, merci pour ce que vous êtes pour nous, Sœur Huguette. Joyeux anniversaire à Joanna Taz, Perpétue Henri, à Josette Toussaint, à Kunson Fefe, Le Gros Ginette, Marie-Ange Moïse, Max Gaston, Michel Malia d'Orsainville, Madame Bianca
Désimile Jean-Baptiste, dans un verset à perpétuel immaculé. Grâce Toussaint, Philippe W. Félix, Ricardo, le Valgueur Augustin, les anniversaires à Roberta et Ulyssin, Chilov Nelson, Violette Pierre, Wadnaël Louis, les anniversaires à Jenny, Flore, Aura, à Jean-Baptiste, François, Pierre, Alcindor, les anniversaires à Isna, Pierre, à Bianca, Jean-Baptiste. Les anniversaires à tout l'autre monde qui a célébré un événement heureux dans la vie aujourd'hui et que nous n'avons pas dans l'espoir noir. On s'y est certain. Nous n'avons pas dans l'espoir bon Dieu grand maître là. Nous avons écrit dans le cœur bon Dieu. Bon Dieu connaît souci, il connaît besoin. C'est pour grand maître là faire la pluie de grâce et de bénédiction tomber sur vous. Pour qu'il y ait tout ça qui est nécessaire pour la vie de surtout pour la vie de vous. Si vous avez assemblé qui a célébré un événement heureux dans la vie aujourd'hui, nous invitons à rapprocher de l'hôtel là pour nous capables de bénir vous. Nous avons chanté pour vous. C'est le plus gros cadeau que nous gagnons pour nous. Nous avons invité Sœur Nouyo avec Maïs Robinson. Chantons un bel chant d'anniversaire pour faire Sœur Nouyo pour nous faire cœur content. C'est le mois du très saint rosaire. Nous avons une pensée pour chaque jour. La pensée du jour, le rosaire donne le rythme de la vie humaine pour l'harmoniser avec le rythme de la vie divine. Le rosaire donne le rythme de la vie humaine pour l'harmoniser avec le rythme de la vie divine. Cette pensée est de Saint Jean-Paul II. Le clergé paroissial vous invite à nous aider à éponger nos dettes. Pendant le mois d'octobre, là, prenons une enveloppe pour nous bailler don. Bailler ça nous gagne, bailler ça nous capable. Mettez sous dos enveloppe là, dette. On s'en apprend, c'est pour dette ou bailler. Mon cap bailler don à travers soit Cash App, soit mon cash, eh bien, guetant ou bien écrit, dit son voyage, c'est pour dette liée. Pour ça, nous allons aider les clergés paroissiaux à payer dette sur gagner, dette sur nouveau terrain, dette sur construction, chapelle, Padre Pio et l'école infirmière que nous avons construit, dette sur appareil électronique que nous avons acheté, en pile de dette encore nous gagner. Nous comptons sur générosité, non. Nous comptons sur participation, non. C'est nous passer une bonne journée, bon travail, bonne méditation. Merci à tous et à nous chaque. Pour participation non dans la célébration la messe là. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.